toujours deux gagnants. Hein. Deux gagnants, Laura. C'est parti, grande finale, loser bracket de Dead or Alive 5. Shoraku. Shou contre Laura, ça va être plus simple. Shoraku contre Laura. C'est Elena contre Kokoro sur le stage du cirque. Et tout de suite, c'est commencé par le... Je crois que c'est le Don PK, quelque chose comme ça. Pour l'instant, voilà! Le contre tout de suite trouvé sur le Lodena. Shoraku, il plaisante pas. Shou, voilà pour l'instant. Kokoro, voilà pour l'instant. Elena, Laura qui revient bien. Laura qui prend le wake up. Encore. Le contre, il contrait pas assez Big Dash. Et évidemment, c'est contré dans la counter throw. C'est bien joué. Laura qui trouve la chapelle. Laura, toujours bien présente avec ça. Elena, totalement en forme. Et encore, chaud pour l'instant qui n'est pas tout à fait chaud dans ce début. Voilà, la combo se trouve complètement trouvée. Une demi-barre déjà de perdu par Laura. Allez, voilà, faut s'en sortir avec le hitstun. Yes, c'est trouvé. Le full combo derrière. Attention dans la garde, il s'en sort bien chaud. Il trouve pas, il compte en long, mais tout de suite c'est contré par Laura. Ça passe plus jamais, ça, ce down PK. Ça passe plus du tout. Ou garde K, je sais même plus ce que c'est comme coup. De Kokoro, ce double lot en tout cas pour l'instant. Laura qui joue très bien dans ce tournoi. Elle tient bien la pression surtout. Il y a très peu d'erreurs, elle prend les bonnes décisions sauf là où elle ramasse un contre, elle le fait mentir. Elle trouve le lot, elle trouve la chasse. Avec le juggle derrière la chope. Attention, on s'approche du mur. La Kokoro, tout qui passe dans la garde. Elle trouve le stun, attention à pas trop manger de contre Laura. Le double lot pour l'instant, ça joue bien. De round à zéro, qu'est-ce que premier match, qu'est-ce que je raconte. Ça va vite. Shoraku qui va peut-être sortir. Il a le droit de changer de match ou de round ou de perso. Hein. Vas-y, pas de problème. Alors, peut-être un counter pick. Peut-être un Ayate du précipice. Ou un Jan Li du Bermuda. Et non, il choisit. Merde, qui. Il choisit évidemment le perso pas du tout craqué. Le perso pas du tout top tier. Alpha, voilà le surboss du jeu. On m'a dit c'est violent, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, Alpha, voilà, contre Elena. Mais pour l'instant, Laura qui toujours, mais ça sort bien. Mais qu'est-ce qu'elle joue bien. Elle peut gagner cette grande finale en jouant comme ça. Laura, voilà, c'est presque dans le mur. Pour l'instant, Shou, qui aurait dû garder son perso. Il est totalement distribué de coca. Il s'en sort pas. Il ramasse, voilà, il ramasse encore, mais elle voit tout. Laura, totalement imperturbable dans cette finale loser. Attention le mur. Et ça va manger. Et c'est parti pour une séquence peinture murale. Peinture champêtre, voilà le juggle qui repart dans l'autre sens. Attention à la pression, c'est pas grave. La Alpha, voilà, qui trouve. Quoi, c'était quoi ce truc là? Il te bute pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour l'instant, allez. Waouh, encore cette chop bizarre trouvée par la Alpha. Je comprends rien, mais il prend le round. Allez, le hitstun max trouvé, mais c'est un peu loin pour enchaîner derrière. Laura, qui se laisse pas désabuser. C'était bien joué de la part de Shou, attention. Et la chop, j'allais dire attention à la chasse P. C'est trouvé, c'est dans le mur. Ça garde le pressing, ça fait donc ça explose pas pour garder le pressing. Attention dans le mur, très bien joué de la part de Shou. Qui bloque l'eau, mais qui punit pas comme il faudrait. Laura, voilà, Gramoula, qui ramasse un gros mid après cette BC pour tenter un contre l'eau. Encore ce contre l'eau, ça va lui coûter cher. Elle ramasse mid sur mid. Elle trouve le contre, c'est bien joué. Aïe, deux rounds. Shou qui revient en grande forme avec sa Alpha. Ça c'est bien joué. Oh là là, tout de suite. Tournée, et voilà ce coup de Kasumi qui passe pour l'instant à la shop. Pas trouvé. Contre de Kuba qui est trouvé là. Le hold encore, le hold téléporte à la Kasumi, ça fait tellement du bien. Il revient très fort et un match partout. Il a eu raison de counter pick. Est-ce que Laura peut le faire? Allez Laura, faut pas lâcher. Un match partout, il y a une place pour être deuxième du tournoi, une place en grande finale. Est-ce que vous gardez, est-ce que vous changez de round, de niveau? C'est à vous de décider, hein. C'est pas... Là, faites ce que vous voulez. C'est à vous de décider, hein. Il reste au même endroit. Allez, Laura qui avait très bien commencé, un petit peu rattrapé. C'est maintenant qu'on va voir, est-ce que les nerfs ne vont pas lâcher.
Et c'est parti. Pour l'instant, Shaw qui reprend l'avantage. La Elena de Laura, voilà. Et Laura qui revient. Laura qui va mettre la pression. La Dine héritière du clan français parisien de DOA qui ramasse encore. Mais c'est quoi, c'est une chape, c'est un contre, c'est quoi ce truc? Pour l'instant, Shaw qui s'en sort bien. Et voilà, qui va sans doute prendre ce round. Allez Laura, encouragez Laura un peu. Il faut pas qu'elle craque sous la pression. Il faut qu'elle représente le Stade Fest Paris. Voilà, l'air d'étape playeuse est proche et Laura en est la preuve. Faut qu'elle aille au bout maintenant de ce tournoi. Il va falloir battre Shaw d'abord et pour l'instant il y a du round de retard. Allez, faut presser, faut pas lâcher. Faut rien lâcher. Voilà, ça s'est bloqué, ça punit derrière, voilà, ça c'est bien, voilà, explosion. Ça c'est dans le mur, Laura, tu fais du break. Et c'est parti pour là, rien du tout. C'est le combo qui est mangé, aïe, ah là. Avec la chope qui passe dans le contre, ça fait forcément très mal. Pour l'instant, la Alpha qui réussit très très bien. Asho, Shoraku là qui s'en sort. Très bien, c'est dans le mur. Oh, ça va être dur pour Laura, là, elle a vraiment du mal. Hein. Ça c'est bien joué, Allez, faut jamais rien lâcher. Voilà, le combo qui passe. Oh, c'est une grosse murale. T'es dans le coin, le lâche pas. Avec le contre qui passe complètement. Ça c'est dans la garde. Ça, non. Voilà, puni. Cherche pas à contrer. Shoraku qui remporte cette grande finale loser bracket. Laura qui avait très bien joué. Qu'est-ce qui t'a gêné dans ce counter pitch? Je sais pas. La pression. Ouais, la pression. Un mot pour le public qui t'a encouragé. Merci. On peut l'applaudir. Allez, troisième de ce tournoi. Et tout de suite, la grande finale. Shaw, on compte sur toi. Tu es désormais notre héros. Laura t'a donné toute son énergie. Elle brille en toi. Big Darth t'a donné toute sa barbe. Maintenant, tu ne peux plus perdre. Ah non, mais moi, je suis pas sûr. C'est pas sûr. Rexat, ça veut dire bien. Trackball. C'est R en fait. So Hegbal, you come from Holland? Yes, from the Netherlands. So I heard that you won everything on Dido Live 5 in Europe. And then again, you are in Stunfest. Is this your first Stunfest in